Un balado Radio-Canada audio. Rebecca, c'est ce qu'on appelle dans notre langage une privilégiée. Pourquoi? Parce que c'est une métisse. Donc déjà, son cheveu n'est pas aussi crépu que Mais là, Rebecca, toi, t'as les cheveux... Moi, je les aurais dit avec un fer plat. Oui. On est en 2009. On m'invite à l'émission d'après-midi diffusée sur ICI Première. L'après-midi porte-conseil, animé par Dominique Poirier. Je suis là avec Angelo Cadet, Varda Etienne, deux anciens collègues de Musique Plus, pour un panel intitulé « Les cheveux des Noirs, avantages ou malédictions ». Et le prétexte, c'est un excellent film de Chris Rock qui vient juste de sortir, « Good Hair », inspiré par une phrase que l'une de ses propres filles lui a dite, « Daddy, do I have good hair ?» Un documentaire donc sur tout ce qui touche aux cheveux des Afro-Américaines, tous les enjeux, toute cette relation-là, historiquement très complexe. Donc, on parle de défrisants chimiques, de permanentes, de cheveux lisses, de cheveux crépus, d'une industrie de plusieurs millions de dollars, de séduction. Donc, je participe à cette discussion-là. Et plus tard, je vais sur le site de l'émission, au bas de la page, faire ce que j'aurais jamais dû faire. Hein. On devrait pas lire les commentaires, mais je lis le commentaire d'une auditrice. Et ça dit à peu près ceci. La prochaine fois, invitez des vrais noirs pour en parler. C'est pas la première ni la dernière fois que je reçois quelque chose du genre. Mais chaque fois, en fait, je trouve que ça pince, ça brûle, ça me vexe. Ça, surtout venant de quelqu'un comme moi, en guillemets. Ou dans le fond, peut-être pas. Parce que j'essaie d'interpréter ce commentaire-là et ce qu'on me fait remarquer, ce qu'on me reproche, dans le fond, c'est pas être assez noir ou pas être assez foncé pour me prononcer publiquement sur des enjeux qui sont liés à la couleur de ma peau. Là, je suis pas assez foncé, assez noir pour embrasser pleinement ma négritude, pour faire partie de la gang, finalement, pour être une vraie. C'est comme ça que je reçois ça. Je m'appelle Rebecca Maconnen, vous écoutez Pas fait en chocolat, un balado qui est né de mon désir de m'intéresser à des questions complexes. Il y a une phrase qui me revient souvent là, quand je sens qu'on trouve que je suis pas assez noire et c'est un vieux souvenir. J'étais petite, j'avais vu Vanessa Williams en entrevue avec Oprah Winfrey. Vanessa Williams qui est une chanteuse, une comédienne, mais qui a été la première Miss America afro-américaine en 1984. Elle a les yeux bleus, elle a la peau très, très pâle. But then being in Selma, Alabama and having police outside my motel room 24 hours because I was black and getting death threats. Elle parlait du fait que elle avait eu besoin de sécurité autour de son hôtel à l'époque de l'entrevue parce que le Ku Klux Klan manifestait contre sa présence dans leur ville. So it's like what? You're black enough to be hated by the Klan, but yet you're not black enough to be black. Elle a dit, je suis assez noire pour le KKK, mais pas assez noire pour être perçue comme noire. Moi, j'ai aimé sa réponse parce que chaque fois que je reçois des insultes, je le perçois comme ça. Chaque fois que je me fais traiter du mot en haine ou je me fais dire retourne dans ton pays, ben je suis assez noire. Hein? Tu sais, si un jour je croise David Duke, le néo-nazi américain, mon Dieu, il va pas faire de colorisme. Je pense que je vais passer au cash. Il va me cibler. Je pense que ma question « Est-ce que je suis assez noire? » se révèle de toutes sortes de manières. C'est pour ça que j'ai eu envie de poser ma question à des gens qui ont des parcours différents du mien. Alors, j'ai demandé à Vanessa Destinée, à Karine Rousseau, à Koale, à Kim Obum-Sawin, « Est-ce que tu te sens assez noire, assez latina, assez vietnamien, assez abénakise? » Mais je reviens à mon idée de base. Quand on me reproche là, de ne pas être assez noire, on fait parfois référence à la couleur de ma peau, qui est plutôt pâle, puis je suis bien consciente que c'est un privilège. Là, vous ne m'apprenez rien, je le sais. Mais la plupart du temps, on fait référence à mes cheveux, qui ne sont pas crépus, que je porte lisse la plupart du temps. J'ai longtemps rêvé d'avoir les cheveux très longs, puis j'aime les avoir raides. Même si aujourd'hui, au moment où j'enregistre ça, là, ben, mes cheveux sont bouclés. Donc, j'ai eu envie de parler à une femme qui assume totalement les perruques, des cheveux lisses la plupart du temps, qu'elle porte en public et même elle les publicise et elle les documente sur ses réseaux sociaux. C'est Vanessa Destinée. D'ailleurs, aujourd'hui, moi, j'ai mon Anything Goes hair. J'ai très beaux cheveux et d'ailleurs, je dois me rappeler de te demander où tu vas pour les aplatir. Non, regarde. Ça, c'est des cheveux de... Moi, dans mes cheveux, il n'y a plus de défrisant. Ça, oui. C'est tellement des cheveux d'humidité, par exemple. Je suis très jaloux. Vanessa, c'est une journaliste indépendante qu'on peut voir sur plein de plateformes. Elle est entre autres de l'émission Dans les médias à Télé-Québec et de la web-série Décoloniser l'histoire. Moi, les gens
noires qui me disent que je serais donc bien plus belle avec un afro. Ça me gosse. Oui, je suis d'accord. Je suis comme, mais c'est tout le temps du racisme internalisé quand toi et moi et Isabelle Racicot, on n'a pas un afro sur la tête. Je trouve qu'il y a aussi une pression, tu sais, d'être naturel, de se libérer de ce carcan-là, oui, d'embrasser notre négritude. J'ai déjà comme entendu et lu ça, texto. On m'a déjà dit ça aussi. Alors, comment tu réagis à ça? Ça me fâche énormément parce que ma définition du féminisme, à moi, c'est évidemment la liberté de choix. Et je pense que ce débat-là est récurrent. C'est n'importe quelle bébelle qui concerne les femmes et les féministes. Il y en a toujours qui finissent par croire que elles peuvent décider pour les autres ce qui est mieux pour elles parce qu'elles, elles ont eu une épiphanie, elles ont eu une révélation, elles se sentent libérées. Je pense au port de la brassière, par exemple, oui, qui a été un débat longtemps où est-ce que des féministes disaient que c'était un carcan, un joug du patriarcat puis qu'il fallait juste arrêter de mettre des brassières. Et moi, là, j'ai deux cantaloupes à la place des boules. Si je veux mettre une brassière pour avoir du soutien, crois-moi que c'est pas le patriarcat qui est en train de m'aliéner, c'est mon choix. Ouais. Je suis bien consciente que ça joue dans des codes relatifs au patriarcat, comme le fait de porter des perruques ou de me lisser les cheveux peuvent jouer dans des codes associés à une certaine suprématie blanche puis à des standards de beauté eurocentrés. Mais c'est mon choix quand même. Je reste critique de mon choix, mais je le choisis pareil parce que je suis bien là-dedans. Vanessa, elle est solide. Elle est inébranlable dans ses convictions. Elle a clairement déjà pensé à tout ça. J'accepte juste pas que les gens me fassent la morale parce que je l'ai fait, ce travail-là de déconstruction. Tu m'apprends rien. Ouais. Fait que pour vrai, laisse-moi tranquille. Par contre, je l'ai vécu sur plein d'affaires, moi, cette espèce de « Ah, t'es pas assez noir » sur la musique que j'écoutais. Moi, j'ai grandi, j'écoutais de la musique punk. J'écoutais, ben, punk, c'est relatif, le pop-punk. Là, j'écoutais Good Charlotte, mettons, là. Ouais, la musique emo. Je portais des Converse. Puis à un moment donné, à mon époque, les Converse, c'était plus, c'est ça, ça appartenait à la communauté punk emo. Puis je me faisais dire par des personnes blanches et des personnes noires que j'étais pas assez noire. Que je me prenais pour une autre, que je me prenais pour une blanche, tu sais. Je peux-tu juste être la personne que j'ai envie d'être pour vrai, puis de prendre des codes que je prends le temps de, tu sais, de. J'ai un débat intérieur sur chaque choix que je fais. Je suis consciente, tu sais, puis je suis consciente aussi du message que j'envoie, mais comme à un moment donné, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai mon propre cheminement. Ouais. Personne n'a son droit de regard dessus, ben, tu sais. Moi aussi, je me questionne sur plusieurs de mes choix. Puis on a tous des angles morts. Et j'ai eu l'impression que Vanessa, sans s'en rendre compte, m'a pendant quelques secondes fait me sentir pas assez. Ben, c'est rien de grave, là. M'envoyer un « pensez-y bien » qui se voulait bienveillant quand j'ai nommé le titre que j'avais en tête pour mon balado, un titre que je traîne depuis très longtemps. T'es à l'aise? Oui. OK. Je l'assure. Mais ça a pincé un peu, ça a piqué. Comme je suis pas mal sûre que les gens vont te demander si c'est l'idée d'une personne blanche. Ah oui? Oui. Ça. Puis pendant quelques mois, j'ai cherché d'autres titres, je me suis remise en question, j'ai demandé à mon équipe de me suggérer d'autres choses jusqu'à ce que j'assume de nouveau. Ça allait être ça. Moi, j'ai été élevée dans un monde blanc, pas mal toute ma vie, sans trop me poser de questions, parce que justement, je voulais m'intégrer, je voulais me confondre dans la masse. Avec les années, l'expérience, les nouvelles fréquentations, j'ai eu envie de reconnecter avec mes racines. Tu sais, à chacun son rythme et son parcours. L'important, je pense que c'est de s'y rendre. Il n'y a pas un vécu, d'après moi, qui supplante l'autre. Mais je sais très bien que pour certains, là, d'un bord comme de l'autre, je fais pas le poids. Je suis pas assez foncée pour prendre la parole, peut-être pour joindre ma voix à celle des autres. Je suis une privilégiée, je suis une bourgeoise. J'ai comme pas droit à ma carte de membre. J'avais pas envie que ma réflexion se limite à des gens qui ont fait l'expérience, comme moi, de ne pas se sentir assez noir. Mon intuition, c'est que ce sentiment-là, ne pas se sentir assez quelque chose, ça se décline à l'infini. On veut correspondre aux exigences, on veut être accepté, on veut appartenir. Et là, j'ai retrouvé Karine Rosso au Parc Jeanne-Mance, juste au pied du Mont-Royal. Karine, c'est une autrice dont j'ai beaucoup aimé le livre « Mon ennemi Nelly » sur Nelly Arcand. Elle est prof de littérature à l'UQAM, ça fait pas très longtemps. Et avant ça, elle était libraire à Le Guélion, une librairie que je fréquente tout près de Radio-Canada, qu'elle a cofondée. Karine Rosso, née ici. Oui. Père français. Oui. Mère colombienne. Oui. Ouais. Puis là, apparemment, toi, quand t'expliques aux gens d'où tu viens, faut toujours, c'est ça, ça vient toujours avec une explication.
Oui. Ça dépend à qui je m'adresse. Oui. Ça dépend dans quelle langue je donne la réponse. Donc, en espagnol, je vais donner certaines explications parce que j'ai un certain accent en espagnol. En français, j'ai un accent québécois, forcément. Donc, je vais donner certaines, certaines explications aussi. Et ça dépend aussi du lieu où je suis. Donc là, c'est drôle, on est au parc Jeanne-Mance. C'est vraiment le parc de mon enfance. Moi, j'ai grandi à deux coins de rue, au coin de Saint-Dominique-Mont-Royal. J'ai grandi dans le quartier portugais. Je suis vraiment née sur le plateau. J'ai vraiment pas l'air d'une fille qui est née sur le plateau, là. Donc oui, j'ai tendance à donner des explications toujours un peu plus... C'est pas des justifications, mais c'est comme si je me sens le besoin. Puis des fois, quand je fais la réponse courte en disant « Ah, ben je suis née ici », pas assez. Mais non, c'est les, gens, assez. Mais les gens attendent après, oui, mais, tu sais, c'est comme s'il y avait un trois petits points d'inclus. En même temps, je comprends les gens, ils sont pas méchants. Mais t'es super bienveillante parce que tu vois ça comme de la curiosité. Ben oui. Juste la curiosité. Jamais tu dis comme, ah, oh, mon Dieu, vous êtes ignorant, la gang, voyagez un peu. Jamais t'as des moments... Oui, il y a des fois où ça m'a dérangée. Ouais. Enfant, surtout adolescente peut-être, parce que justement, je suis née vraiment dans le quartier, mais j'ai déménagé en banlieue, dans l'est de la ville, à Pointe-aux-Trembles. Et là, c'est là que j'ai vécu le plus de discrimination dans ma vie. Mais il faut penser à Pointe-aux-Trembles, ce qui c'était il y a 30 ans. Hein. Je veux dire, c'est pas du tout... Je pense que ça a beaucoup, beaucoup changé. Là, toutes les banlieues se sont beaucoup diversifiées depuis. Ouais. Est-ce que ça arrive que tu te sentes pas assez quelque chose? Toujours. Comment ça se manifeste? Je me sens toujours pas assez, en fait. Ma famille colombienne, ça range beaucoup, tu sais, c'est très important, le corps, c'est très important, tu sais, les cheveux, le maquillage et tout. Puis je, soit un homme ou une femme? Ouais, surtout une femme. J'en parle un peu, là, par la bande dans mon Eminelli, mais tu sais, la Colombie, c'est un pays où il y a beaucoup de chirurgie esthétique, il y en a quand même pas mal dans ma famille aussi. Moi, non seulement, j'ai pas de chirurgie, mais je suis pas nécessairement quelqu'un qui se maquille beaucoup. Je me maquille, là, mais pas tant que ça. Je m'occupe pas de mes cheveux. Là, en ce moment, j'ai des running, un jean. Tu sais, je veux dire, quand je suis avec ma famille colombienne, je suis souvent pas assez arrangée. Okay. Et on me le fait remarquer. C'est-à-dire qu'on me le dit, mais on me le dit de façon bienveillante. On me dit, oh, c'est beau, c'est juste, t'aurais pu mettre une couleur de plus. Ou, il est vraiment temps que tu te coupes les cheveux. Okay. Ou, j'ai un petit fard à Noël, on me donne des crèmes, des fards, tous les accessoires pour les cheveux. Tout ça, j'ai reçu ça en cadeau. On me donne des certificats cadeaux chez des esthéticiennes. C'est tout. Autant de messages subliminaux pour me dire, dans le fond, t'es pas assez, t'arranges-toi un peu pour avoir l'air. Pas assez féminine, est-ce que c'est ça que ça veut dire? Ouais. Tu perçois juste comme je suis pas assez latina, je suis pas assez colombienne. Je suis vraiment perçue comme une Québécoise au sein de ma famille latina. Puis, évidemment, je suis pas assez Québécoise chez les Québécois non plus, là, parce que là, on va pas me le faire remarquer de la même façon, mais là, je vais me sentir latina. Là, je vais sentir... Comment on va te le faire sentir que t'es pas assez Québécoise? Dans ce qu'on disait tout à l'heure, dans la façon de demander, qui est souvent, on se rend pas compte, mais tu sais, quand on dit « tu viens pas d'ici », hein, mais tu sais, ça, c'est une affirmation, tu sais, c'est une question, mais dans la question, il y a une affirmation. Puis, quand on se les fait dire toute sa vie, il y a un moment où tu dis, ah, ben effectivement, je dois pas venir d'ici. Pourtant, je suis née à deux coins de rue d'ici, là. Mais est-ce que c'est une pression qui vient seulement de l'extérieur ou est-ce que toi-même, parfois, tu ressens une lacune? Ah, je pourrais être plus comme ça ou je pourrais être... Ah, c'est une bonne question. je pense qu'il y a une partie qui vient de nous, mais en tout cas, qui vient de moi, c'est sûr. Puis j'ai envie de correspondre. C'est comme... Ces attaques-là sur l'identité, c'est des attaques face auxquelles je me sens vraiment démunie. C'est comme si j'ai de la difficulté à y répondre. Pourtant, je pense avoir de la répartie dans la vie, puis je sais pas, je manque pas nécessairement de vocabulaire, mais quand il est question de ça, j'ai de la difficulté à répondre. C'est comme si je suis pris de court. Surtout quand les remarques ou les accusations, les commentaires viennent de ma propre communauté. Quand Karine dit ça, ça me fait penser à ce moment dans le livre « Là où je me taire » de Caroline Dawson, à la page 121, où elle raconte que petite, elle est d'origine chilienne, elle s'en va en vacances à Cuba avec sa famille, puis elle se sent accueillie chez elle à Cuba parce que tous les gens lui ressemblent, elle n'est plus l'étrangère, puis finalement, elle se lie d'amitié avec une Cubaine un petit peu plus âgée. Et... À un moment, cette Cubaine lui dit « De toute façon, t'es pas une vraie Chilienne, t'es même pas une vraie Latina, en fait. » Ça fait écho à ce que je racontais au tout début de l'épisode, que ça pince, ça blesse quand ça vient de quelqu'un qui nous ressemble. Est-ce que c'est ça qui est pas le plus blessant, un peu? Oui, je pense que c'est ça qui est le plus blessant. Quand les Québécois me disent ou me font sentir que je suis pas tout à fait québécoise, à la limite, je me sens plus armée que quand c'est...
la communauté latine qui me fait sentir comme une Québécoise. Là, j'ai l'impression d'être comme... Ben, c'est ça, j'ai l'impression d'être complètement démunie. Et c'est arrivé que, par exemple, mon chum ait à me défendre, tu sais, vraiment. Oui. Et à prendre la parole pour moi, parce qu'en famille, on m'a fait, par exemple, la remarque comme quoi j'élevais pas ma fille de façon assez colombienne. J'ai été pris de court, je savais pas quoi répondre, mais ça a été vraiment un silence, là, j'arrivais pas... Parce que c'est comme, j'étais entourée des miens, j'étais entourée de ma mère, de ma tante, mais tu sais, ça venait de l'interne, c'est comme tellement douloureux. Puis en même temps, qu'est-ce que ça veut dire, tu sais? Et là, mon chum a répondu pour moi. C'est, écoute, je suis pas fière là, de raconter ça. Mais non, puis en même temps, pourquoi pas? Il a vu que je bloquais, en fait. Puis il a répondu, il a dit, ben oui, mais il y a plein de façons là, d'être colombienne. Tu sais, Karine, elle a lu tout Gabriel Garcia Marquez, tu sais. C'est quand il a répondu ça, j'ai comme fait... Ben oui, c'est ça. C'est ça, t'as raison. c'est ça que je voulais dire. mais est-ce que tu le vois comme un... Parce que moi, quand ça m'arrive, je le perçois comme un manque de solidarité envers moi, puis aussi comme une forme de rejet. Puis aussi, je me dis comme, mais c'est quoi, je suis pas dans la gang ou je suis pas... Qu'est-ce, t'sais, comme, qu'est-ce, c'est quoi l'impact de ça, en fait, au final? Mais moi, ça a eu tellement un gros impact que je suis partie des années en Amérique latine. Oui. Je suis partie 4 ans, entre 19 et 24, là, presque 5 ans. Entre 19 et 24 ans, je suis partie en Amérique latine pour essayer d'aller retrouver ces origines-là, pour essayer. Puis je le concevais pas comme ça à l'époque, mais maintenant, ça m'apparaît très clair là, que c'est ça que j'allais chercher. J'allais comme chercher aussi une légitimité. Quand elle a dit ce mot-là, j'ai trouvé ça tellement fort, une légitimité. Tu sais, j'allais chercher... C'est le bon mot. Légitimité. Moi, ça m'a pris du temps avant d'avoir envie de retrouver mes racines. C'était clairement pas à 19 ans. Mais toute ma vie, on me renvoyait à un ailleurs, cet ailleurs-là, l'Éthiopie, qui, dans mon cas, m'était totalement étranger, inconnu. C'est comme s'il y avait juste une façon d'être latine, tu sais. Puis c'est évidemment, quand j'ai voyagé dans ces années-là, que j'ai vu que toute la diversité là, des formes d'être latine. J'en ai vu là, des femmes en Colombie là, qui portent des All-Stars puis qui se maquillent pas. Là, je veux dire, ça existe. T'es pas la seule. bien sûr que là, c'est quand je l'ai vu. Fait que là, je suis revenue, j'étais comme plus armée pour dire, mais non, j'ai vu une immense diversité. Puis évidemment, on oublie qu'en Amérique latine, il y a des femmes noires, il y a des femmes autochtones, il y a des femmes blanches. Puis on a une grande majorité de métisses aussi. Là. Oui. Je m'identifie vraiment à l'identité métisse, mais je pense que c'est le propre du métissage, c'est-à-dire que moi, mon père est blanc, ma grand-mère était noire, elle avait un afro. J'ai ce mélange-là. J'aime pas trop la formule, mais je suis obligée de le dire comme ça. J'ai le mélange du maître et de l'esclave dans mon sang. C'est tellement fort, puis en même temps perturbant quand tu dis ça. Parce que ça veut dire que pour les noirs, tu seras jamais assez noir, tu seras jamais assez foncé, puis pour les blancs, tu seras jamais assez blanche, finalement. T'es comme un peu. Mais je suis pas noire. Cette histoire-là en toi. Je suis certainement pas noire, je veux dire, mais ma grand-mère l'était. Je veux dire, moi, noire avec un afro. Puis elle, d'ailleurs, elle adorait mes cheveux lisses. Elle adorait ça. Évidemment, mais je veux dire, donc, mais du fait que mon père est blanc, puis du coup, mon père est français, tu sais, donc issu d'une puissance coloniale. Et tout ça, ça forge mon identité. Je veux dire, il y a des parties que je revendique, il y a des parties dont j'ai honte. J'ai l'impression que la honte, elle a aussi forgé mon identité. La culpabilité, j'ai comme tout ça en moi. Puis en même temps, c'est très délicat de le dire. Tu sais, je dirais, je comprends là, les gens qui disent, tu sais, faut pas revendiquer, par exemple, un grand-parent autochtone. Et tu sais, faut faire attention avec ce genre de choses-là. Je comprends. Puis je comprends que la figure du métis peut être problématique d'un point de vue politique. Mais quand c'est notre identité, je veux dire, moi, je suis ni blanche ni noire. C'est ce qui, on me voit, puis c'est ça qu'on voit. Donc, à un moment donné, je suis obligée d'assumer. Là, Mais comment on fait pour l'assumer? Là? Mettons qu'on est obligé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire accepter sa condition puis être bien avec ça. Ça se fait pas en criant ciseaux. J'ai trouvé Karine vraiment touchante puis elle m'a fait comprendre à quel point ben, moi aussi, j'ai envie de correspondre. Elle a vraiment choisi tous les bons mots. J'ai aussi eu envie de parler avec Koalé. Mais pourquoi on fait pas comme un épisode là-dessus? Genre, c'est quoi être pas assez quelque chose? Puis quand ça vient, puis c'est comme, oh my God, je sais à qui je veux parler! Je savais que le réalisateur montréalais d'origine vietnamienne pourrait lui aussi éclairer ma réflexion. Koa, tu es née au Vietnam. C'est moi. Tu es arrivée ici quand t'avais 5 ans? 6 ans. 6 ans, OK. Et t'as grandi à Saint-Léonard? Saint-Léonard. OK. Je l'ai rencontré au Parc Jarry. Explique-moi qu'est-ce que ça veut dire se faire traiter de banane.
Se faire traiter de banane, c'est simplement être jaune à l'extérieur et blanc à l'intérieur, littéralement. Donc, être québécois, mais avoir l'apparence d'une personne asiatique. Qui profère cette insulte-là? C'est pas forcément une insulte. OK. C'est pas forcément une insulte. C'est un qualificatif. Ça a été pendant longtemps, quand j'étais plus jeune, il y a des Asiatiques qui s'auto-proclamaient bananes parce qu'on veut être québécois, parce qu'on veut ressembler à l'autre. Donc, c'est bien d'avoir un accent, c'est bien d'avoir le cœur vraiment blanc, mais dans le fond, on a juste le look d'une personne asiatique, mais on est québécois comme toi, comme eux, comme nous, tu sais. Fait que, et c'est plus tard que ça devient une insulte, comme bien des choses, là, tu sais, on se fait dire plein d'affaires, puis là, tu sais, on est jeune. Puis, tu sais, tu t'atteins une certaine maturité, tu réalises, tu prends conscience de bien des choses, tu te réveilles, là, tu fais « Oh mon Dieu, c'était une insulte. » C'était une insulte à ma personne, à mon identité, à ma culture, à mes origines. Mais ça, je m'en suis juste rendu compte dans la vingtaine, là. Parce que je me trouvais bien cool, là, être banane. Avec mes amis québécois qui disaient que j'étais une banane, moi, je prenais pas ça comme une insulte. C'était « Tu fais partie de la gang. » Mais il y avait des cliques d'Asiatiques aussi au secondaire qui se tenaient juste entre eux, les Vietnamiens, les Chinois et tout ça. Moi, je faisais pas partie de cette gang-là parce que je refusais un peu mon identité. Mais quand ils me disaient « t'es une banane », c'est une insulte. Ils disaient « regarde, t'es pas comme nous. Tu changes de clan, puis tu changes de peau, puis tu prétends être quelqu'un d'autre. » Donc c'est là où, pour moi, quand je disais « c'est pas forcément une insulte », c'est que ça dépend, ça vient de qui puis dans quel contexte. T'arrives à la vingtaine, puis là, avec le recul, tu prends conscience du fait que toi, dans le fond, tu voulais t'appeler... OK, juste ici, j'ai pas eu le temps de finir ma question, mais je me référais à mes notes, parce que quand on a approché Coalé, il nous a dit, en nous expliquant c'était quoi justement l'expression banane, qu'il a tellement voulu rentrer dans le moule qu'il aimait pas son prénom. Il aurait adoré s'appeler, quand il était petit, Julien ou Alexandre. Ben, je dis « on », je veux pas généraliser, mais je pense qu'on est quand même plusieurs personnes issues de l'immigration qui ont compris rapidement que pour être accepté, il fallait adopter les codes, la culture le plus possible de la personne qui nous reçoit, en l'occurrence des Québécois et tout ça. Fait que c'est prendre un accent, parce que moi, j'avais pas cet accent-là. Moi, ma mère, elle a une éducation française. J'ai eu une professeure française, fait que j'avais un accent plus neutre. Puis au secondaire, j'ai fait « OK, je clash vraiment. » Non seulement j'ai pas l'air d'un Québécois, mais j'ai pas l'accent québécois. Fait que j'ai vraiment essayé de casser mon accent à tout prix pour rentrer dans la gang et devenir une banane. Et c'était un désir. Je voulais être une banane. Quand on me disait « t'es une banane », c'était une fierté. C'était dire « yes, enfin, tu vois pas ma couleur de peau. Tu me vois juste comme une personne québécoise. » Intégration réussie. Intégration. Assimilation plutôt qu'intégration. Mmh. Puis plus vieux, maturité, tu te fais d'autres amis. Je commence à me tenir avec des personnes de d'autres cultures, origines, des amis haïtiens, des amis italiens, des amis arabes. Et le déclic s'est fait, mais tranquillement, hein, pas du jour au lendemain, là, toute ma vingtaine. Tu sais. Okay. Puis avec ce qui se passe depuis les dernières années, pour ne pas dire la dernière année, ben il y a un éveil, là. Je me réveille, je prends conscience de bien des choses, puis c'est hyper douloureux, puis on en a parlé un peu. C'est comme si j'avais refusé de voir la vie à travers une perspective qui est la mienne pendant très, 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 très longtemps. Fait qu'on est à fleur de peau, c'est comme si tu m'avais arraché une couche de peau. Fait que je deviens hypersensible à tout, que ce soit avec ma famille, mes proches, mes amis, des gens que je connais pas, au travail. Puis je me trouve hyper fatigant aussi, parce que je me couche le soir, puis je fais... Attends, fait que t'as eu 3 meetings aujourd'hui puis t'as réussi à créer 4 malaises. T'as call out ça, puis je fais... C'est lourd à porter, tu sais. C'est lourd de devoir être cette personne-là. T'as le choix de rien dire ou de lever la voix et de prononcer sur une situation. Je pense que je suis pas le seul, je nommerai pas de nom, mais je parle beaucoup de ça avec mes amis asiatiques, du moins, tu sais. Je comprends cette colère-là, je la comprends, puis je la vis, parce qu'on nous a donné cette opportunité-là avec tous les multiples mouvements sociaux qui se sont déployés au cours de la dernière année, l'opportunité de parler. Ouais. Puis là, c'est comme s'il y avait une colère dormante, puis tout d'un coup, c'est ça, elle vient d'éclore, de se réveiller. Qu'est-ce qui fait que tu te sens pas assez? Parce que là, il y a comme deux choses. Il y a un certain moment de ta vie, puis peut-être que c'est encore le cas aujourd'hui, où tu t'es pas senti assez québécois. Puis j'imagine qu'il y a des moments puis des contextes où tu te sens pas assez vietnamien. Oui. Comment ça se manifeste?
Je me suis jamais senti québécois, puis je me sens toujours pas plus québécois aujourd'hui. Je me définis souvent plus comme Montréalais. On dirait que c'est plus simple. Je dis, ah, je suis Montréalais, puis tu sais, je dis ça à vous, puis vous me comprenez, tu sais. Ouais. Je me sens Montréalais parce okay. qu'il y a une diversité, pluralité à Montréal de façon de penser, de réfléchir. Puis ça, ça incarne mon identité. Fait que non, je me sens pas québécois, mais je me sens pas non plus... Je me sens profondément vietnamien. Je me définis comme une personne vietnamienne d'origine. Mais je suis très loin de cette culture-là. Je saisis les codes spirituels, la culture, cette tradition-là, familiale, sociale, interpersonnelle aussi, tu sais, les relations, les petits gestes, tout ça, je les lis, je les décortique, je les comprends. Quand je vais au Vietnam, je comprends tout. Et je me retrouve dans des petits gestes, des manières que quelqu'un peut poser un regard sur une autre personne ou des gestes d'affection que je retrouve pas ici. Mais je suis pas chez nous. Je me sens pas du tout chez moi. Au Vietnam. Mais je me sens pas non plus entièrement vietnamien ici. Ça, je peux vraiment m'identifier à ça parce que moi non plus, je me suis pas vraiment sentie chez nous en Éthiopie. Puis contrairement à quoi, je connais pas, je maîtrise pas les codes de mon pays natal, de ma culture natale. J'ai juste remarqué des traits culturels. Genre que moi aussi, je suis très ponctuelle puis que je suis très discrète en fait. Ça, c'est très éthiopien apparemment. Je te pose quand même la question parce que là, on a commencé en parlant du terme banane. Puis, il y a quelques minutes à peine, quand tu parlais de la personne que tu étais jadis qui voulait être banane, je sens pas nécessairement de la tendresse envers... Avec le recul, est-ce que t'es comme... Est-ce qu'il y a de la honte? Est-ce qu'il y a de la colère? Ou il y a de la compréhension? Ben oui, je voulais fitter. Il y a de la compréhension. Okay. Puis il y a beaucoup de peine aussi. Énormément de peine. C'est de voir cet enfant, ce jeune garçon qui n'arrivait pas à être bien. C'est ça que ça dit pour moi. Il n'était pas bien. Ça veut dire que j'étais pas bien à l'école, j'étais pas bien chez moi non plus, parce que forcément, il y avait un clash avec ma famille, avec ma culture d'origine, tu sais. La limite entre le privé puis le public était très floue pour moi. Je ne savais pas. Puis je me souviens, je rapportais des fois des propos que j'entendais à l'école par mes professeurs sur la liberté d'expression et tout ça, tu sais, très, très jeune. Puis je ramenais ça à la maison. Puis c'était pas des valeurs. C'était pas... Ça faisait pas partie de mon éducation à la maison, de s'exprimer si librement à ses parents et ses grands-parents. Tu sais, c'est un manque de respect. Alors qu'à l'école, on nous apprend qu'il faut développer une pensée, il faut s'affirmer. Ce clash-là, cet inconfort-là m'habitait. Fait que pour moi, c'est vraiment de la tristesse. C'est de voir ce garçon qui n'était pas si bien à la maison, pas très bien à l'école, il n'était pas vraiment lui-même à l'école, qui n'était pas non plus 100% lui à la maison. Mais en même temps, ça a forgé une personnalité, une certaine... résilience. Un mot galvaudé, mais qui est quand même... J'essaie de l'éviter. Puis ça fait partie de mon héritage, mon parcours qu'aujourd'hui je célèbre. Bon, on revient à ça souvent, parcours. C'est un mot qui revient dans à peu près chacun de mes entretiens. D'ailleurs, c'est la première fois que je te rencontre. Oui, je suis très heureuse de te rencontrer. J'avais jamais rencontré la réalisatrice Kim Obomsawin. Elle est sociologue de formation. Son œuvre comme réalisatrice est vraiment construite autour de la valorisation de l'héritage des Premières Nations. Son dernier film, Je m'appelle Humain, sur Joséphine Bacon, se promène un petit peu partout actuellement, récolte tous les honneurs, beaucoup de succès. Et la première chose que j'ai voulu savoir, c'est ce que ça voulait dire pour elle d'être abénaquise, mais d'avoir grandi en ville, à Montréal. Ça implique un déracinement, forcément, un déracinement culturel, identitaire très grand. Ça fait en sorte que c'est vraiment sur le tard, c'est-à-dire que j'ai toujours eu... Je suis pas redevenue abénaquise, hein? J'ai toujours été abénaquise, toujours été fière de l'être, j'ai toujours porté mon nom Obomsawin avec beaucoup, beaucoup de fierté. Mais c'était quand même très, très abstrait parce que quand on vit en ville, c'est quand même difficile. Puis je le vis avec mes filles maintenant que je suis full impliquée et tout ça. Donc, c'est très important pour moi de leur transmettre tout ce que je peux. Mais ça reste pour elles abstrait quand même, même si je les amène le plus possible dans les communautés puis partout. Puis moi, mon père, il m'amenait au Danaq quelques fois par année. On avait de la famille, mais dans ma tête d'enfant, qu'est-ce que ça voulait dire? Pas grand-chose. Puis j'ai des parents qui n'ont pas reçu cette éducation culturelle-là, identitaire. Donc, il y a vraiment une cassure chez les Abénakis à la génération de mon grand-père. Puis, il y a eu une exode de la réserve, puis on a perdu beaucoup de territoire à ce moment-là, parce que c'est devenu super pauvre. Et puis, on est, proportionnellement parlant, les Abénakis, la Première Nation au Québec,
dont la population vit le plus à l'extérieur de la réserve. Ah oui. Okay. Donc, au Danakh, c'est 2 km². J'ose espérer que nous, les Abénakis, sommes plus grands que 2 km². Et puis qu'on est capable de faire vibrer et vivre notre culture à l'extérieur de la réserve, parce que la réserve étant un objet colonial. Hein? Ouais. Donc, mais ça reste quand même un rempart pour la culture, parce que c'est quand même là notre seul endroit où on peut quand même se rassembler entre nous puis pas disparaître. Donc, c'est très paradoxal. Donc, je me suis réapproprié ma culture sur le tard en faisant des études à partir du cégep, quand tu commences à être plus éveillée aux questions sociales. Puis ça m'a happée. Puis rapidement, je me suis dit, ben, ça va être ça, ma vie. Le sentiment d'imposteur, je l'ai eu longtemps. Tu sais, à me poser la question, est-ce que je suis une vraie autochtone, tu sais? Puis ça m'a pris beaucoup d'années pour être capable de l'assumer pleinement. Puis là, aujourd'hui, il n'y aura personne pour me dire que je suis pas abénakise. Je suis abénakise dans mon cœur, dans mes tripes, dans toutes mes fibres. Puis c'est ce que je vais défendre pour le reste de mes jours. C'est la mémoire de mon grand-père, c'est honorer la mémoire des ancêtres. Puis je pense que c'est ça, aujourd'hui, être autochtone, c'est de porter la mémoire du passé puis de s'assurer que ce qu'on a perdu puis qu'on est en train de retrouver ne se reperde jamais. Mmh. Puis ça, je pense qu'on n'est pas obligé d'être au Danakh ou à Massoyacht ou à Pessamit ou dans le Grand Nord pour le vivre. Comment t'as fait pour transcender ça, ce sentiment-là d'imposteur? Ben, je pense qu'en vieillissant, on prend confiance en nous au fil de mes réalisations, puis pas juste ça, de mes engagements. Tu sais, j'ai des amis partout, j'ai toutes les nations, dans plein de communautés. C'est peut-être pas chez moi, c'est peut-être pas chez les Abénakis. J'ai des amis, bien sûr, aussi chez nous, mais partout. Je l'ai plus, cette question-là, t'es-tu autochtone ou non? Je m'appelle Kim Obomsawin, je suis Abénakis, point barre. Mais non négociable. Pour moi, c'est non négociable. Réglé. Mais il reste encore des gens qui vont dire que je suis pas autochtone parce que j'habite pas au Danakh. Il y a encore des gens dans ma face qui me le disent carrément. Oui. Qu'est-ce qui est derrière ce sentiment-là? Est-ce que tu penses que c'est comme la déception? Je sais pas. Écoute, c'est pas moi qui ai décidé que mon grand-père allait être déraciné, envoyé au séminaire de Québec, qui était pas un passionné autochtone, mais qui était un peu l'équivalent à l'époque, qui allait après ça subir du racisme. Toute sa vie, mon grand-père, ça a été toujours un sentiment de se dire, c'est compliqué d'être Abénaki, ça amène rien que du trouble. Fait que je vais pas passer le trouble à mes enfants. Je vais m'arranger qu'ils parlent français, qu'ils parlent pas Abénaki, puis qu'ils pratiquent pas leur culture, puis qu'ils s'assimilent à la population. Ouais. Donc, le dessin colonial, assimilationniste, il a fonctionné presque pour nous. Ouais. Puis ça, je parle de mon grand-père, mais je sais qu'à l'échelle communautaire, ça s'est beaucoup passé aussi. Puis pas juste dans ma nation, mais on pense aux Malécites, puis aux Wendat, puis à toutes ces communautés qui sont près des grands centres. Ça a été très, très difficile de rester en vie. Donc, moi, c'est pas de ma faute, ça. Aussi, on est toute une génération de jeunes à ressentir la même affaire. Donc, je me sens pas du seul de ma gang. Puis, on se le dit plus entre nous, t'es-tu plus ou moins. Ça, c'est fini, ce discours-là. C'est un discours qui appartient au passé. L'époque est révolue, mais il reste des gens qui portent encore cette croyance-là où l'esprit a été vraiment colonisé. Ils ont intégré que le membership passe par la loi sur les Indiens, le fait de vivre sur réserve. Écoute, je ne sais pas c'est quoi. T'sais. Tout le monde a ses propres traumas familiaux et tout ça. Dans nos communautés, c'est souvent encore plus grave hein, parce qu'on a un passé quand même colonial lourd, violent, très violent. Donc, il y a des gens qui ont mal. Donc, quand on a mal, on est en colère. Mm. La colère, des fois, se dirige dans des endroits où ça ne devrait pas. Donc, j'essaie, moi, quand on me dit des choses comme ça, de dire, regarde, j'ai aucun pouvoir sur ce que tu penses de moi. Puis honnêtement, je m'en sacre un peu. Ah, oui. Tu sais, je vais continuer, moi, à croire en moi, ce que je fais, parce qu'il y a beaucoup de gens derrière moi qui sont là pour m'encourager puis me féliciter, puis pas juste moi, tous mes autres frères et sœurs autochtones qui, en ce moment, sont dans ce mouvement de revitalisation des cultures. C'est super beau ce qui se passe en ce moment. Fait qu'on va pas se laisser abattre par ces quelques individus dans nos communautés qui disent qu'on n'appartient pas vraiment à ces communautés-là parce qu'on vit en ville. OK, wow! Kim, elle est impressionnante parce qu'elle est inébranlable. Je suis pas rendue là dans mon cheminement encore. Mais là, c'est pas parce que Kim est pleinement assumée dans son identité maintenant qu'elle a pas connu de peine. C'est sûr, j'en ai vécu des grandes déceptions. Je me souviens, à l'université, à un moment donné, je faisais des travaux importants sur les premiers peuples, c'est-à-dire des 40 pages là, de travaux là, dans tel cours. Puis
tu sais, je travaillais fort parce que ça m'intéressait, fait que je récoltais des A+, puis oui, donc puis j'étais fière, puis tu sais, c'est ma communauté qui a payé mes études, les Premières Nations, c'est compétences fédérales, oui. Donc on est sous la tutelle du gouvernement fédéral, ça implique que c'est le gouvernement fédéral qui doit veiller comme un bon parent à l'éducation de ses enfants, guillemets. C'est pas par plaisir qu'ils le font, c'est oui, par oui, obligation. Oui. Mais c'est ça. Fait que, bref, j'ai reçu des sous de ma communauté pour aller à l'école. Puis moi, je me suis toujours trouvée tellement chanceuse. Et puis je me suis dit, mon Dieu, il faut que je redonne. Il faut que je trouve une façon de redonner. Fait qu'à un moment donné, j'ai pris une enveloppe, là. J'ai mis plein de copies de travaux dont j'étais fière. J'ai écrit une longue lettre à mon chef pour leur dire, regardez ce que ça donne de donner de l'argent. OK? Ça donne que moi, j'ai décidé de dédier tous mes travaux à ça. Puis un jour, je vais être là, puis je vais représenter dignement et fièrement les Abénakis. J'ai jamais eu de réponse. C'est à ce jour. Réponse. C'est l'ancien chef d'il y a longtemps, là. C'est pas le chef qui est en place maintenant. Jamais eu de réponse. Te dire la déception dans mon cœur d'enfant, ben à ce moment-là, de jeune adulte, mais j'étais toute petite, avec plein de grands idéaux dans la tête, ça a été un moment où je pense que c'est là que j'ai dit « fuck off okay. » ou « allez donc chier ». C'est devenu un moteur. Ce qu'il faut savoir, c'est que la mère de Kim est québécoise, mais elle a un statut d'autochtone en vertu de la loi sur les Indiens. C'est très complexe. Mais depuis le début de ma quête avec Karine, avec Vanessa, avec Koa, on est vraiment dans le ressenti, là, quand on ne sent pas assez quelque chose ou quelque chose d'autre. Mais dans le cas des Premières Nations, il y a un cadre légal, il y a une loi qui régit ou qui essaie de dire qui est Indien et qui ne l'est pas. Puis en passant, j'utilise le mot Indien parce que c'est ça qui est écrit sur la carte. Sinon, je dirais Premières Nations ou Autochtone. Moi, j'ai pu transmettre mon statut grâce au fait que je suis de première génération à mes filles, qui sont considérées de deuxième génération. Mais à moins qu'elles ne se trouvent un copain autochtone, ben leurs enfants seront plus Abénakis. OK. Donc, la loi va décide que après deux générations, c'est terminé. Puis ça faisait partie du dessin colonial. Hein, quand ils ont fait la loi sur les Indiens, c'était dans le but qu'on disparaisse. Fait que se sont dit, on va calculer ça deux générations. Après ça, c'est réglé. Mais tout ça pour parler de l'absurdité d'une loi qui détermine qui ou non a le droit de se dire autochtone. C'est ça. C'est puis moi, si j'élève mes filles dans ces valeurs-là, dans cette culture-là, puis qu'elles se sentent profondément abénakises, puis qu'elles essayent d'élever leurs enfants de cette manière-là aussi, dans leur cœur, dans leur corps, ils vont se sentir abénakis, mais sur papier, on va leur dire non, vous n'êtes pas abénakis. Puis malheureusement, la colonisation, nos esprits se sont colonisés aussi. Ouais. Donc, c'est devenu quelque chose dans nos communautés. T'es-tu un 6-1, t'es-tu un 6-2? Ah, moi, je suis un 6-1. Puis tu peux pas être chef si t'es 6-2. Fait qu'il reste plus beaucoup de 6-1, donc des Autochtones de première génération chez nous. Fait que là, les candidats à la chefferie, ça devient compliqué. Puis là, ça fait des chicanes. Puis là, tu sais, tout ça à cause d'une loi raciste et coloniale. Les Premières Nations, là, c'est pas un problème, là. C'est une richesse. Ouais. Ça va être l'œuvre de ta vie, là. Ouais. Vraiment, vraiment. Puis je me trouve tellement chanceuse. C'est pas un fardeau. Pour moi, c'est une chance, justement, parce qu'il y en a qui souffrent encore énormément. Vraiment. Puis moi, j'ai la chance de pas avoir des plaies béantes. J'ai une mémoire. Je sais ce qui s'est passé. Je me sens responsable. Mais jusqu'à maintenant, ça ne m'a qu'apporté que, sur un plan très personnel ou égoïste, du bonheur de pouvoir transmettre ces histoires-là. Puis ça donne c'est sûr que ça donne un sens à ma vie, ouais. Tu sais. Puis après ça, quand je débarque dans les écoles, dans les cégeps, les universités, puis que je vais donner des conférences ou faire des questions-réponses par rapport à mes projets, ben puis que je vois dans les étincelles, dans les yeux, tu sais, des cégepiens, parce que ça n'existait pas, moi, dans mon temps, ça. On n'a jamais parlé de moi à l'école, t'imagines? Non. Je suis d'ici, comment ça se fait qu'on parle pas de moi, à part pendant les guerres entre les Français et les Anglais? Tu sais, ça pas de bon sens. Il y a toute une révision à faire de la manière qu'on voit l'histoire de ce pays. Puis moi, ben, j'ai décidé de la raconter à ma manière, puis en m'inspirant de la manière que les aînés ou les gens des communautés veulent se raconter. Mmh. Tu parles pas comme une fille qui a déjà eu un sentiment d'imposteur, en tout cas. Je pense que je m'en suis débarrassée. J'en ai vraiment débarrassée. Je suis comme, où ça? Il n'y a aucune trace de ça aujourd'hui. L'entrevue avec Kim Obomsawin m'a vraiment fait du bien. D'abord, je la trouve passionnante. Puis même si elle est très consciente de l'impact là, dans sa vie à elle, des décisions de ses ancêtres, de son grand-père notamment, elle s'en déresponsabilise pas. Mais elle a fait le choix de ne pas porter ça. Elle a fait le choix de se libérer de ses blessures.
Donc, Kim est comme détachée de l'opinion des autres. Elle ne veut plus gaspiller son énergie là-dessus, puis elle se concentre sur l'avenir. Donc, en quittant la cour de Kim, pour reprendre les mots de Karine, je me suis sentie outillée, ou même armée, pour continuer à réfléchir à mon identité. Vous écoutiez Pas fait en chocolat. Je m'appelle Rebecca Makonnen, à la recherche Evelyne Morin-Hull, réalisation Marie-Michel Giguère. Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.